De nouvelles familles vous attendent, les enfants. Qui est là? Oh, un bébé. Quoi? Un bébé? D'où tu sors, toi? On est devenus parents. Les bébés ont besoin d'un endroit pour jouer. Prends de la feutrine. Découpe une forme. Ajoute de la colle. Attrape un marqueur. Plante un sapin. Le soleil est sorti. Ajoute un banc. Sympa cette aire de jeu. Quel terrain de jeu on devrait choisir? Vous allez jouer ensemble. C'est sympa ici. Oh, un banc. Du soleil. Ça me plaît pas. Et ce buisson me gêne. Les rayons piquent. Saute, saute. Tu t'amuses bien? T'aimes les nuages? Le tonnerre et les éclairs. T'as pas peur? Des fleurs trop jolies. Elles sentent bon. C'est pour toi. Pourquoi j'en aurais besoin? À plus tard. Bye bye. La Lilou, il est temps pour moi de grandir. Change sa coiffure. Lave son visage. Change la couleur de ses yeux. Ajoute une mèche. Mets-lui une robe. Joie est maintenant prête à aller à l'école maternelle. Waouh! Un vélo! Ma fille, tu vas où? Viens par ici, bébé. Okay. Voilà ta maîtresse. Hi. Tu veux aller jouer avec les enfants? Yes. Je te la laisse. Oh, okay. On peut être amis? Vous voulez jouer au chat? Regarde, c'est sympa ici. Je veux pas aller à l'école maternelle. Tu vas adorer cet endroit. Je veux pas. On viendra te chercher plus tard. Let's go. Tu veux jouer? Je vais faire un tour de vélo. C'est qui le plus rapide? Je serai le premier. Stop! Ouch! Wade, tu vas bien? Je vais bien. Stop! Hey! Je te tiens. Yes! Allô? Venez chercher votre fils tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Prenez-le, il a saccagé toute la classe. Allez, on rentre à la maison. Jouez ici. Ouais, une balle! Attrape! Trace un marquage. Découpe-le soigneusement. Un mouton! Bye bye! On a quatre pieds. Un joli petit cochon. Fixe les oreilles. Dessine un dollar. Cette tirelire est utile pour économiser de l'argent. Cache-le dans la cour de récré. Bébé, tu veux jouer? Un marteau! Prends ça! Il a atteint le score maximal! Oh, waouh! Colère, salut! On joue dans le bac à sac? Let's go! Viens! On va jouer aux pirates! On va faire une chasse au trésor! C'est parti! Colère, fais attention! Je vais t'aider! Ah ah! J'ai trouvé! Waouh! Une tirelire! Elle est à moi! Y a quoi dedans? C'est ce qu'on va découvrir! On doit la détruire! Des lalis dollars! Il y en a assez pour tout le monde! Achetez une glace! On peut tous en avoir? Bien sûr! Les amis, servez-vous! J'en ai une pour toi aussi! Myrtille! C'est l'heure de rentrer à la maison! Mais papa! Prends la baguette! Coupe-la en biais! Peins-la! Ajoute une inscription. Dévisse les roues. C'est maintenant devenu un palais. On va pouvoir jouer. Bonjour, je suis là pour l'entraînement. Tiens, en retard, dépêche-toi de te préparer. Quel type de patin à glace je devrais mettre? Prends cela. Vous êtes sûr?
Oui, vas-y. Wow. C'était une blague. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Dépêchez-vous, lâchez vos likes pour que je puisse m'en sortir. Mais c'est patin. Et si on jouait maintenant? Mon bâton ne me déçoit jamais. Je l'ai! Qui a fait ça? J'en ai marre du hockey. Mais Joie se débrouille super bien. La Lilou, j'ai besoin d'un truc à manger pour les pique-niques. Ajoute de la couleur dans de l'eau. Puis, des boules de polystyrène dedans. Presse-les dans la paume de ta main. Assemble le paquet. J'espère que ça va plaire à Joie. Personne ne le verra dans le casier. Et maintenant, un bouquet pour Joie. Des fleurs? T'es tombé amoureux? Le garçon brûle de colère. Pourquoi t'es rouge comme ça? Lâche-moi, va-t'en! Ma carte de Saint-Valentin? Heureusement qu'elle n'a pas brûlé. C'est quand ton date? C'est pas tes affaires. Descends de là. Au feu! Au feu! Je l'ai éteint. Je suis couvert de mousse maintenant. Le cours est fini, je peux rentrer à la maison. Oh! Un bouquet? C'est de la part de Colère. Il m'attend. Allez, T'Challa. Salut, je suis content que tu sois venu. Assieds-toi. Please. Tu veux des Cheetos? Moi, ouais, je peux en avoir. Ok. Tu dois t'en aller. Bye. Cheetos? J'en ai jamais mangé avant. Qu'est-ce que vous faites tous ici? Qu'est-ce que t'as là? Je veux goûter. Ah, ça pique! De l'eau! On va se promener? Ok. C'est fini entre nous. Goodbye. J'aimerais changer de look. Let's go. T'en penses quoi? Nice. Lave son visage. Dessine les yeux. Rosie les joues. Oh, ma perruque! Hey, oh my god. T'inquiète pas! Sympa cette coupe de cheveux! Choisis des habits. Wow! Je veux un short et un gilet. J'ai besoin de chaussures. Et ça, c'est boucles d'oreilles. Merci, la Lilou. Salut tout le monde. Hey, câlin. Tape là. Je suis content que tu sois venu. Comment j'aurais pu ne pas venir? Votre commande. Je vais prendre des sushis. Une seconde. Ow. Désolée. Je suis tout seul maintenant. Le repas est fichu. C'est rien. Ça fera un excellent masque pour le visage. Oh, enlève-moi ça! Oh là là, je suis tellement gênée. Ça peut arriver à tout le monde. Je suis à nouveau en retard. Je vais nettoyer la table. Sorry. Oh, allez, calmez-vous. T'as des donuts? Huh? Thank you. Servez-vous. Please. Écris dans les commentaires combien de donuts Joie a apporté à ses copains. 1, 2, 3, 4. Cool! Te voilà! C'est pour toi! Oh my gosh! Merci! Amazing! Je suis désolée de m'être mis en colère. On se voit plus tard! Bye! Oh! Un mot! Oh. C'est une invitation pour aller en date! Oh les filles, regardez! Je dois me préparer! Par où je commence? Il me faut des bigoudis! Yes! Les voilà! Utilise un cutter. Coupe-les en morceaux. Prends une paille. Coupe-la en plusieurs morceaux. Enroule-les autour d'un tube. Joie va pouvoir être glamour. Je les ai trouvés. C'est parti. Un ici, un autre là. Et maintenant? Je dois m'hydrater le visage. Le téléphone? Oui, colère? T'es là? Je suis presque prête. D'accord, je t'attends. Un fruit? Je vais en manger un. Yum!
Hé, hey, qu'est-ce que tu fais? Désolée, j'avais pas remarqué. T'aurais vu joie? C'est moi. Tu m'as préparée? On va enlever les bigoudis. Oh, il y en a un qui est coincé. Allez, allez. Je vais y aller comme ça. Merci pour ton aide. Goodbye. Je dois me coiffer. Ok, je suis prête. Me voilà. Qu'est-ce que tu as là? Laisse-moi t'aider. C'est bon. Au moins, on l'a enlevé. Allez, viens. Oh, okay. Tu veux grignoter quelque chose? Yes. Serre-toi. Thanks. Veux-tu m'épouser? Oui, je le veux. Yeah. Il est temps de se préparer pour le mariage. Prends une boîte. Repeins-la en bleu. Dessine un motif. Place les piquets dans les angles. Fixe-les avec un ruban. On a besoin de feutre. Recouvre-les de rubans adhésifs pailletés. Va y avoir un feu d'artifice. Ça, ça me plaît. Où est la mariée? Je me suis pas enfuie. Je suis tellement contente de te voir. Moi aussi. Désolée. Vous êtes trop mignons tous les deux. Chérie, on va être parents. On est tellement heureux pour vous. C'est le moment. C'est parti. Sauf qui peut. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? Mon ventre. Allô, l'ambulance? On est là. Qui est malade? N'aie pas peur, je serai juste là. Je vous déclare mari et femme. Vous pouvez vous embrasser. Allons-y. Mais à quoi vont ressembler leurs bébés? Choisis une poupée. Fais-lui un regard méchant. Minnie ressemble à son papa. Le couple attend des jumeaux. Notre petit garçon te ressemble. Et notre fille est ton portrait craché. Quel beau bébé! Il est temps pour le bébé de changer sa couche. Leur premier pas. Oh my gosh! Ça va aller, ils ont rien. C'est pas possible de suivre le rythme des petits. Voici les mamans des éléments. Bonjour les filles! Est-ce que Flag va jouer avec les enfants? On va le mettre dans la baignoire. On va naviguer dans ta baignoire, comme sur un bateau. Où est mon fils? Il ne s'arrêtait plus. Oups! Stop! Oh, le père de Flamme! Ah, mais te voilà! J'ai eu tellement peur! Flamme! Mon fils! Tu aurais pu te perdre, ma chérie! Prends une bouteille en plastique. Retourne-la. Ajoute une arche. Glisse un toboggan à l'intérieur. Vaporise le tuyau de peinture. Assemble la structure. Ajoute un logo. Waouh, la pente est raide! Coupe le tube. Fixe-le. Tiens, un bol avec des croquettes. Il est vide maintenant. On a une piscine. Le toboggan arrive dedans. C'est super fun! Tous les éléments peuvent trouver de quoi s'amuser dans ce parc. Claude et ses parents sont déjà là. Va jouer au bac à sable, chérie. Il y a un tapis de verdure pour Claude. C'est trop bien ici! Où tu veux aller, ma chérie? Dans le toboggan aquatique? Non. Dans le jardin? Non plus. La lave, ça, c'est un super divertissement pour les éléments feu. Flamme est trop contente. Waouh, c'est cool ici! Amuse-toi bien, Flac. Où tu veux aller? Hé, Claude! Les enfants jouent dans le jardin. Des fleurs poussent derrière le passage de Flac. Ça te plaît? Ouais, je vais y retourner. Flac est allé voir Flamme qui joue au volcan. Doucement, chérie! La maman eut à peine le temps d'attraper son fils. Fils, le feu et l'eau, c'est pas compatible. Va jouer sur le toboggan. Yes. L'enfant grimpa jusqu'en haut. Ouais, trop cool! Un toboggan aquatique?
C'est l'activité parfaite pour l'élément eau. Ouais! Encore une fois! Encore! C'est l'endroit idéal pour passer du temps avec les enfants. Wow. Hello. J'ai une toute nouvelle recette de snack. On va aider Bernie. Travaille la pâte. Coupe-la, s'il te plaît. Hey. Bien sûr. Tiens, Bernie. Recouvre les boulettes. Utilise une râpe. Un peu de charbon. Et pour finir, on va les faire cuire. Ça a l'air super bon. On va y goûter. Tiens, Bernie. Ça, c'est de délicieux snacks de feu. Flamme et Flac sont au fireplace. Tu veux aller au carnaval avec moi, Flac? Pourquoi pas? Oh oh! T'entends ce tremblement de terre? C'est le père de Flamme. Oh non! Cache-toi, Flac! Flamme paniqua. Non, il va te remarquer ici. Je peux peut-être me cacher derrière le four. Qu'est-ce que tu fabriques, chérie? Rien de fou, tu sais. Il m'a pas vu. Bernie décida de réchauffer sa nourriture. What? Qui d'autre est là? Sors de ta cachette. Hey. Bonjour. T'es quoi, un élément haut? Et un spectre en plus. Ça n'annonce rien de bon. Papa, il est sympa. Hey. Il est sympa? Suis-moi, mon garçon. À quoi pense Bernie? Flac est en nage tellement il est stressé. Tiens, goûte à ça. C'est ma nouvelle recette. Flac mangea le chef-d'œuvre culinaire de Bernie. De la vapeur sortie de ses oreilles. C'est super bon. J'ai jamais goûté un truc pareil. Bye. Flac emporta toute l'assiette de boulettes avec lui. Quoi de neuf, Flamme? C'est pour toi. Je vais vous montrer de quoi je suis capable. La fille a un talent pour souffler le verre. Prends de la colle chaude colorée. Utilise un bâton rose. Forme un rebord. Puis, ajoute une couche orange. Sculpte un bec. Ajoute une poignée. Recouvre le tout de vernis. Notre vase de feu est terminé. On est dans la maison des deux lamars. Oh, ça me stresse trop que Flamme vienne ici. La voilà! Mais c'est inondé chez toi! Bah normal, ma famille est un élément eau. Tu veux aller faire un tour? Flamme s'amuse comme une folle. Tu veux que je te fasse visiter la maison? Ça, c'est le vase préféré de ma maman. Et là, il y a la fontaine. Les parents de Flac sont revenus à la maison. On a un élément feu comme invité? La mère de Flac est vraiment intriguée. Tu nous présentes, chérie? C'est ma petite copine, Flamme. Yeah. Votre maison est magnifique. J'adore particulièrement ce vase. Oups, il est tombé. Je suis vraiment désolée. Je vais le réparer. Super. Un morceau de verre et du feu. Et voilà. Flamme, t'es une souffleuse de verre. Oh non, je travaille juste au café. T'es très talentueuse. Et Mimi en plus. Oh, moi qui étais inquiète. Finalement, la rencontre avec les parents s'est bien passée. J'ai apporté du matériel. Du papier mousse blanc. Yeah. Waouh, regarde toutes ces couleurs. On va prendre le turquoise. Number one. Rends la main volumineuse. Trace les détails avec de la peinture jaune. On a une paire de gants pour les fans de sport. Prends un couvercle en plastique et un ruban. Colle des morceaux sur le couvercle. Oh, un ruban! Ces lunettes ont une forme originale. On a fait un bonnet. Le match va bientôt commencer. Et c'est ça. Trop cool. Mais ses gants aussi. Il est maintenant prêt à encourager son équipe préférée. Flac a invité Flamme à voir un match de baseball. On a tout pour les fans ici. Waouh! Je veux voir! Flac trouva des lunettes. Trop cool ce bonnet! Et ça aussi! Très bon choix! Je vais tout essayer! Flamme se rendit au magasin. Flac! T'es où? Hey! Y'a personne! Je suis là! Attends une minute! Flamme attendait à l'extérieur de la cabine d'essayage. Le voilà enfin! Tadam!
Je me suis habillée pour le match. Mais t'as tout le magasin sur toi. Mon équipe préférée joue. Tu veux un gant? Bah, pourquoi pas. On est prêt maintenant. On va aller encourager l'équipe. Génial, cette branche. Hihi. Gratte l'écorce. On a des bâtons. Couvre le bout de pâte à modeler. On a fait des allumettes. Prends du vernis gel. Des paillettes. Étale-les sur du plastique. Fixe la flamme. Ajoute des couleurs. Ces taches sont ardentes. Ajoute de la paille en papier. Le chaudron est rempli de bonbons. C'est un cadeau parfait pour Flamme. Nous revoilà au Fireplace. Je peux m'occuper de la vente? Ouais, et ça, chérie. Bébé Claude et son papa sont aussi venus au Fireplace. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui? Attends là, fiston. Claude veut se faire des amis. Mais Flamme ne fait pas attention à lui. Il y a peut-être un truc sympa dans cette boutique? Un caillou? Et une fleur? Elle va adorer. Le gamin était tellement pressé de rejoindre Flamme qu'il trébucha et tomba par terre. Qu'est-ce que tu fais, fiston? Je voudrais offrir un cadeau à Flamme pour être copain avec elle. J'ai une idée. Donne-lui des sucettes de feu. Merci, oncle Bernie. Ces bonbons sont vraiment délicieux. Le gamin apporta le cadeau à Flamme. Tiens, c'est pour toi. Oh, mes préférés. Ils étaient ainsi devenus amis. Waouh, toutes ces boules. Est-ce que c'est de la magie? De la feutrine. Enveloppe la boule dedans. Brosse-la. Et une boule de plus. Utilise la machine à coudre. Coupe ce qui dépasse. Fabrique une figurine. Sa fourrure sera plus aérée avec de la laine. Fabrique des yeux en papier mousse. Qu'elle est mignonne! Prends du tissu bleu. Sympa ce haut! Bonjour, Alizée Cumulus! Hello! Il y a beaucoup de travail aujourd'hui! Flamme, j'ai une mauvaise nouvelle. Ton magasin va bientôt fermer. On doit aller voir Alizée. Alizée Cumulus est aux Jeux élémentaires. Ouais! Trop cool! Youhou! Tu peux pas faire ça, ma famille! Ça doit être une erreur! Oh, non. Mais de quoi tu parles? Ne ferme pas le fireplace, s'il te plaît! Please. La décision a été prise. Je peux plus rien faire pour vous. Bon, je regarde le match. Stop! Oh non! Mais qu'est-ce que je vais devenir? Et si on réglait toutes les violations? Ma décision ne changera pas. Fin de la discussion. Mais comment ça a pu arriver? Mais soudain, le ballon atterrit devant elle. Il est hors jeu. Tiens! Hey! Alizée lance à la balle. Waouh, c'est un panier! Victoire! Tape-la! Bon, ok, je ne fermerai pas Fireplace. Hey, vous allez où? Attendez-moi! Je veux la plus belle des fleurs. Flac a fait son choix. On va l'aider. Prends une fleur. Dessine un croquis sur du papier mousse. Les pétales ont formé une très belle fleur. Une livraison. Fixe du fil de fer sur le pétale. Recouvre-le de colle colorée. Ajoute des touches de jaune. Le centre est plus volumineux. Des perles font guise d'étamine. Cette fleur de feu est magnifique. Il y a une expo de fleurs à Vivisteria. Et Flamella. Hi. Tu peux pas entrer. Pourquoi? Pas de feu ici. Et t'es un élément feu. Mais c'est pas juste. Flamme est très triste de la situation. Flamme, mais pourquoi tu pleures? Ils m'ont pas laissé entrer à l'expo Vivisteria. T'inquiète pas, j'ai une idée. Ça va te plaire. Flac se rendit dans le jardin. C'est un endroit formidable ici. Salut. Oh, Alizée. Je suis venue pour planter de la Vivisteria. J'ai quelque chose pour toi. Alizée lui donna une graine de Vivisteria. Un peu d'eau. Et il ne reste plus qu'à attendre. On voit déjà un bourgeon. Va falloir en prendre soin.
La Vivisteria fleurira dans la nuit. Comme ça sent bon! Flamme doit voir ça. Regarde pas encore. Wow. On y est! Waouh, ma fleur préférée! Je l'adore! Le couple admira la Vivisteria grandir. How sweet! Il y a de l'amour dans l'air entre Flamme et Flaque. Prends un bocal en verre. Ajoute une cuillère de soude, du glycérol. Transfère le mélange. Quel colorant on va utiliser? Ajoute du vinaigre. Mélange bien. Mets une goutte dans le bocal. Waouh, toutes ces bulles! Pose le bocal sur la cloche. Recouvre le sommet de paillettes. Cette lampe à lave est parfaite pour la divination. Flamme adore l'ésotérisme. Bonjour! Hello. Tu fais bien de la voyance? Je suis pas sûre que vous alliez bien ensemble. On va voir ce que dit le tarot. Flaque, touche-le. Flaque choisit des cartes. Cinder les regarda ensuite. Il y a de l'amour entre vous. Mais j'ai des doutes. Lis-nous les lignes de la main, yes, maman. Cinder lut les lignes des mains de Flamme et de Flaque. Le destin vous lit. Mais je ne suis toujours pas sûre. Oh, Flaque, viens discuter avec moi. Papa, où tu l'emmènes comme ça? Flamme ramena Flaque. Leur divination n'est pas encore terminée. Je vais utiliser les bâtons maintenant. Cinder remua la baguette devant Flaque. Puis, ce fut au tour de Flamme. Voyons voir. Un cœur apparut dans la fumée. Il est même dans la lampe. Mon amour. Le destin nous a réunis. Flamme et Flaque sont faits l'un pour l'autre. On va jeter un œil à l'intérieur de cette boîte. Des parties cassées lavent ce petit visage. Banane, pomme, citron. Trempe le pinceau. La peinture est parfaitement appliquée. Coupe un morceau de feutrine. On a un petit chapeau. Toute cette laine. Ajoute des mèches enflammées. Quelle coiffure torride! Pas un visage. Un petit bébé de feu. Oh, trop adorable! Mais il a un caractère explosif! Maman et papa jouent avec leur petit. Notre flamme est tout simplement adorable. T'as envie de te défouler? Va t'amuser! La petite courut à la rencontre d'un tout petit bébé. Oh, vous avez réussi à vous entendre. Attention à pas le brûler. Prends ton goûter, mon petit. C'est bon, hein? Bonjour, comment tu t'appelles? Flamme. Moi, c'est Flaque. Allez, viens, chérie, c'est l'heure d'y aller. Ok. Oh, j'espère qu'on se reverra. Des éponges pour Lalilou. Coupe la mousse. Taille-la comme ceci. Peins-la en bleu. Découpe deux cercles. Ce sont des yeux. Recouvre-la de vernis à ongles gel. Et voilà! Il y a des éclaboussures partout. Une éponge pleine d'eau. D'où elle vient? Les enfants s'amusent au parc aquatique. Ils font des éclaboussures partout. Bon, il est temps de faire le ménage. 1, 2 et il n'y a plus d'eau. Well done. Oups! La femme de ménage avait tombé une éponge. Waouh, regardez-moi ce que j'ai trouvé. Voyons voir. Waouh, au secours! Oh, faut que je me cache. Je vais attendre dans un endroit sûr qu'on vienne m'aider. Prends une poupée cassée. Repeins-la. Ses teintes sont flamboyantes. Un nouveau visage. Des flammes s'élèvent sur sa tête. Fixe sa coiffure avec de la laque. Découpe du tissu. L'étincelle nous a aidés à le coudre. Une nouvelle robe. Flamme est devenue une ado pleine de fougue. Flamme est revenue de l'école. Ah, je vais enfin pouvoir me détendre. Me voilà, mes poupées. Chérie, va faire tes devoirs. Tu pourras t'amuser plus tard.
Oh, c'est trop nul! J'y comprends rien, ce devoir, ça me saoule! Oups! Oh là là, un incendie! Pfiou, j'ai réussi à l'éteindre! Comment je vais donner ça à l'école, moi, maintenant? On va s'en occuper ensemble, je vais t'aider. Oh my god! Mon cerveau bouillonne! Oh. Tiens, du café, ça devrait te requinquer! Peins une feuille en carton. Découpe des pièces. Le panneau est tombé. Le foyer. Découpe les lettres. Colle-les sur un fond. Ajoute des perles. Peins le tout. La carte a beaucoup de choix. Il y en a pour tous les goûts. Un nouveau café, le foyer, a ouvert ses portes en ville. Hmm, intéressant. Waouh, il y a tellement de choix. J'aimerais bien grignoter quelque chose. Je te recommande le pop-corn au fromage. Super, je le prends. Olaf s'assit à une table pour manger. Oh, il fait tellement chaud ici. Hmm, il commence à faire froid. Je vais ajouter du petit bois. So good. Oh non, j'ai besoin d'air. Oh. Oh non, le bonhomme de neige a fondu. Oups, on a un souci avec un client. Elsa! Ah, il a encore surchauffé. Je vais arranger ça tout de suite. Wow! On rentre à la maison, Olaf. Bye! J'ai un date! Il faut que la table soit pleine. Ok. Mon chéri, qu'est-ce que tu es romantique! La dragonne alluma les bougies et dégusta son repas. Ah, quelle femme incroyable! On va prendre le charbon et les encas à emporter. À bientôt! Qui se cache dans l'aquarium? On va te transformer en un élément. De la pâte à modeler. En un clin d'œil, notre héros s'est transformé. Lisse la surface. Dessine une vague. Peins les yeux. Découpe du tissu. On a fait un t-shirt. Flak est devenu un beau garçon. Flamme, entre, c'est ma chambre. Waouh, c'est vachement sympa ici. Tu veux peut-être un peu d'eau? Merci beaucoup, mais ça suffira. Comment je pourrais la surprendre? Et si on allait admirer la fontaine? Ok. Dès que Flamme s'en approcha, l'eau s'évapora. Oh non, je fais que causer des ennuis. Oh, mais t'inquiète, c'est rien. Mais l'amour peut changer le monde. Prends un pistolet. Raccourcis une pipette. Prends un Lego. Fixe la pipette dessus. Repeins le tout. Ce pistolet à eau devrait faire plaisir à Flak. Flamme veut faire une surprise à son copain. J'espère que papa va pas découvrir que je suis là. Ouf, le parc aquatique. Je dois faire attention. Pas d'éclaboussures. Oh my god. Je cherche un cadeau original. On a beaucoup de choix, jette un coup d'œil. C'est quoi ce truc? Un pistolet à eau, tu veux essayer? Je passe mon tour. Oh. Emballe-le-moi, s'il te plaît. Ok. Et voilà. Thank you. Il va adorer, c'est sûr. Choisis une voiture. Prends la partie inférieure. Un porte-savon. Fixe le dessus. Ajoute de la peinture. Et voilà. Ralph arrive à la rescousse. Ok. Prends une boîte. Rassemble tout ce qu'il faut pour allumer un feu. Le scooter va livrer la cargaison. Flamme lui-même travaille comme livreuse. Je vais vérifier les listes. On dirait que je n'ai rien oublié. Je peux livrer mes commandes. Qu'est-ce qui vous arrive, les gars? Vous voulez jouer? Bon garçon!
Stop, mes commandes! Configure l'imprimante. Imprime un modèle. Fais des entailles. Assemble le seau. La glace a gelé. Remplis le seau avec. Ajoute une goutte d'huile. Du pop-corn glacé, c'est nouveau ça! Flack attend Flamme pour leur date. Elle est où? Le film va bientôt commencer. Bouh, je suis là! Oh chérie, je suis trop content! Qu'est-ce que tu veux grignoter? Tu veux de la barbe à papa? No. Popcorn! Popcorn croustillant! Oh, ouais! Ooh. Je vais en prendre. Alors, un au charbon de bois. Oh my god! Et je vais prendre le glacé. Je vais ajouter de l'eau. Quoi? Comment il a pu faire ça? Oh, c'est étouffant ici! Mais la voisine de Flag grelotte de froid. Miss, prends cette couverture. Mais rien ne perturbe notre couple. Ça, c'est l'amour. Arrose bien la pelouse. Une petite pousse, c'est un miracle! Prends de la pâte à modeler marron. Sculpte une coiffure. Un nez rond. Et des petits yeux rigolos. Pince à tête. Coupe de l'herbe. Il a des pousses vertes sur la tête. Mets du tissu à la machine avec un peu de peinture. C'est une lessive magique. Découpe des habits. Voici Claude Grouchwood. On va faire sa connaissance. Hello. Le petit s'occupe de son jardin. On peut dire qu'il a la main verte. Une fleur a fané. Qu'est-ce que je pourrais faire? Oh, j'ai trouvé des plans. Peut-être que je dois créer un entonnoir? Ça la ramènera peut-être à la vie. Je vais rassembler mes outils. Oh, ça marche toujours pas! Hello. Pourquoi tu fais la tête, mon pote? Ma fleur est toute sèche. J'ai une idée. Flack, aide-moi. Pas de soucis. Yes, la fleur a repris des forces, ça a marché. Merci. Je t'en prie. Hello. Hello. Une machine à barbe à papa. Quel beau nuage. Saupoudre-les de pastel. Prends une poupée cassée. Coupe ses cheveux. Recouvre sa tête d'un nuage rose. Nez, yeux et cils dufteux. Le tissu tourbillonne et s'est transformé en robe. Voici Alizé Cumulus, le nuage. Hello. Le café Fireplace est ouvert aux clients. J'ai du travail. Je vous laisse vous en occuper. Voici les premiers clients. Oh. Je dois nettoyer ça. Qu'est-ce que vous voulez commander? Un chocolat chaud. Moi aussi. Un nuage rose apparut en raison de la surchauffe. Cher client, votre commande est légèrement retardée. Passez une bonne journée. Et voilà. Thanks. Faut que je fasse le ménage. Oups! L'inspecteur Flack débarqua. Il faut vérifier l'état des tuyaux. Quoi, une inspection? C'est une procédure obligatoire. Voyons voir. C'est pas en règle tout ça. Répare-les dès que possible. Chérie, ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Je vais éponger la plaque et nettoyer le comptoir. Thank you. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Je veux faire des bonbons. Coupe la pointe. Prends de la gelée pour les ongles. Donne-lui une forme. Waouh, on a plein de sucettes! Mets les sucettes dans la machine. Et de la peinture. C'est parti! Ajoute de la déco. Les sucettes ressemblent à Flack et Amber.
La maison est en pagaille. Amber est allongée sur le canapé. C'est quoi ce bazar, hein? Oh, je faisais que de rêvasser. Je vais m'occuper de ça tout de suite. Et surveille les enfants! On veut un goûter! On n'a qu'à faire des sucettes. Oh là là, toute la vaisselle est sale! Nuage, aide-moi s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe? J'ai plus de vaisselle propre. Le nuage suit toute la vaisselle. Merci beaucoup. Bye. Maintenant, on peut faire les sucettes. Un tour par ici, un tour par là, et on a des sucettes. C'est pour vous. Merci, Amber. Oh, la mienne ressemble à Flaque.